Salut à vous les amis et bienvenue sur Fast Good Cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revisiter une recette, un grand classique, c'est le croque-monsieur. Évidemment, c'est pas super joli, mais c'est très bon, en tout cas moi j'adore ça. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une recette de croque-monsieur, mais façon Fast Good Cuisine. Donc c'est parti, ça est délicieux, alors je vous souhaite à tous un bon visionnage. Voilà les ingrédients pour la recette et les détails est en bas, en description. Première étape, vous allez éplucher un oignon rouge et dedans, on va couper des lamelles. Et ces oignons, on va venir les faire cuire dans une poêle avec le bacon. Dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive, on va faire cuire les oignons. Et à ce moment-là, on va aussi faire cuire les tranches de bacon. Et une fois que tout est bien cuit, on va passer au dressage. Alors, pour le dressage, c'est super simple. Vous allez découper les pains en deux. Et ensuite, on va mettre du fromage râpé. Ensuite, on va placer bien évidemment une tranche de jambon. Là, vous pouvez rajouter en plus, mais c'est facultatif, un petit peu de persil. On dépose quelques oignons grillés. Et bien sûr, la tranche de bacon. Et bien maintenant, dernière étape, vous allez refermer le croque-monsieur. Revisiter. Dernière étape, on va ajouter un petit peu de beurre sur le dessus et on va passer à la cuisson. On va passer à la cuisson et pour ça, on aura besoin d'un grill ou d'un appareil à croque-monsieur. Et petite astuce, pensez à mettre une feuille de papier sulfurisé pour ne pas le salir. On vient déposer ensuite nos merveilles et là, on va faire cuire pendant 5 minutes. C'est parti. Et après 5 minutes, on va voir le verdict. Waouh! On va passer tout de suite à la dégustation. Allez, c'est parti pour la dégustation. Donc, je me suis coupé le petit croque-monsieur en deux. Et autant vous dire que ça sent super bon. Déjà, on a le pain brioché comme ça qui apporte une bonne odeur à l'intérieur. Les petits oignons grillés, le fromage, le bacon. Franchement, j'ai hâte, c'est parti. Magnifique, franchement magnifique. Je sais que certains vont râler et vont dire t'en as pas marre avec tes dégustations abusées. Non les amis, goûtez, cuisinez-moi cette recette, faites-moi plaisir parce que franchement c'est juste délicieux. On a un accompagnement parfait, je veux dire le petit pain, le fromage, paf, ça perd au four, c'est... Franchement c'est bon. Je vais me calmer un petit peu, en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire. Et bien sûr, vous pouvez retrouver plein d'autres recettes sur fastgoodcuisine.com parce que oui, le site internet est ouvert pour les personnes qui ont loupé ça. Il y a pas mal de choses à faire dessus. Je vous invite à aller voir, je vous mets le lien en description. Si vous avez une idée ou une demande de recette, allez-y, lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, les amis, on se dit à très vite et ciao, ciao.